l'hôpital avec un accès direct, c'est fondamental. Et par ailleurs, sont rapides, c'est-à-dire les centres d'éducopsychologie. Faire entendre les besoins de la profession et les besoins de la population. Merci à chacun et à chacune d'avoir été là. Faire entendre, et la lutte continuera et vous gagnerez. Il y a que les luttes. Voilà, on m'appelle Géraldine et Laure. Nous sommes psychologues dans la fonction publique et nous sommes ici pour manifester pour que les psychologues puissent enfin être représentés, de ne pas être unis, etc. Aujourd'hui, ça montre que les psychologues sont unis et que voilà, on est tous plutôt en accord et qu'il faut nous concerter. Par exemple, quand il y a l'ordre des psychologues qui veut être créé, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais consulter les psychologues qui sont tout à fait à même de parler de leur profession et de leur pratique, même si il y a des théories différentes, des approches différentes, on arrive à travailler ensemble et à être en accord ensemble, et ça se voit aujourd'hui. Les psychologues, si ces lois passent, ne pourront plus décider des outils thérapeutiques pour les patients. Ce sera des médecins qui feront des ordonnances, qui décideront à la place des psychologues du soin pour les patients. Les patients ne pourront plus avoir accès libre aux psychologues. Donc on menote finalement la profession et la liberté du soin, la liberté de penser aussi. Il y a encore le code de déontologie, on défend un code de déontologie des psychologues qui existe depuis presque 40 ans et qui n'est pas suffisamment valorisé.